Qui de vous deux est la plus cool? Qui de vous deux râle la plus? Qui de vous deux dit le plus de gros mots? Qui de vous deux est la meilleure des sœurs? Comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Bon, j'espère que tout le monde va bien derrière son écran, aussi bien que mes cheveux. aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait les filles? Qui de nous deux? Avec moi et Calice. Exactement, on avait fait, en fait, ça va être les mêmes questions qu'une vidéo qu'on a faite cet été avec qui de papa ou de maman. Et on s'est dit, tiens, si on atteint les 5000 likes, on fera pareil avec vous deux. Alors, on n'est pas encore à 5000, mais ça va pas tarder. Donc, on se dit, allez, c'est pas grave, on va le faire parce que ça vous a fait plaisir. Alors, la petite liste, vous les connaissez les questions, c'est même que la dernière fois. Ouais. Vous avez chacune une petite ardoise avec vos prénoms dessus et vous retournerez l'ardoise en fonction de qui vous pensez être la plus. On va voir. Sans regarder vos petites ardoises, moi je retournerai en fonction de ce que je pense également. Si vous pensez autant l'une que l'autre, bah vous faites la tranche. D'accord. Ok. Donc soit Athéna, soit Calice, soit la tranche. Vous êtes prêtes? Yeah. Ouais. Allez, attention Athéna. Qui de vous deux est la plus drôle? Capot. Calice. Calice. Ah, j'ai fait la tranche qu'Athéna est drôle aussi. Hein, fais pas exprès, mais elle est drôle. C'est encore pire. Toi, tu fais des blagues. Elle en fait exprès, c'est drôle aussi. Voilà. Mais vous êtes drôles toutes les deux. Attention, question suivante. Qui de vous deux est la plus patiente? Je réfléchis aussi, moi. Si, quand même. Alors, vous avez mis qui? Calice et toi? Tranche? Oui. Oh, t'es patient. Moi, j'ai mis Calice. Athéna, il faut tout de suite. Non, t'es quand même plus patiente que ta sœur, je trouve. Si tu le dis. Attention, question 3. Qui de vous deux est la plus relou? C'est-à-dire qui harcèle, qui continue d'embêter, voilà, dans ce sens-là, qui embête sa sœur le plus? Vous vous chamaillez hein, de temps en temps, mais alors qui commence et qui continue et qui harcèle finalement, je pense quand même que c'est ça. Voilà, merci Athéna, Calice, forcément vous n'êtes pas d'accord, c'est normal sur ces questions. Moi je dirais que c'est plus Athéna qui va chercher sa grande sœur, mais c'est normal, je pense que les petits frères et les petites sœurs, ça va toujours chercher les grands. Ça va toujours les embêter. Elle me gronde. Mais non, n'importe quoi. C'est ta gueule. C'est pas grave Athéna, je suis entre les deux là, je suis en sandwich. Non. On sera dans Astérix. Tata. Qui de vous deux est la plus tricheuse? Athéna. Et Athéna. Je suis complètement au moins. Athéna, ouais, mais tu es pas d'accord? Ah ouais. Ouais, bah, ouais. Enfin, la triche au jeu de société, hein, principalement. C'est pas sérieux ça, Athéna. Non, qui fera bien. Qui de nous deux est le plus bavard? Qui de vous deux est la plus bavarde? Oh là, on n'a pas de doute, hein. Tic 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 tic. Ah voilà, c'était arrête de faire des suspens. Il n'y a pas de suspense, c'est bien sûr Athéna la plus bavarde. Elle arrête pas. Elle arrête pas, même en classe. Hein. Même en classe. Est-ce que ton maître, ton professeur d'école, comme tu veux, t'a dit que tu bavardais déjà trop? Bah si, il m'a changé de place, oui. Déjà? Déjà? Mais tu m'as pas dit. On l'apprend en live, enfin pas en live, en tout cas on l'apprend, je l'apprends en même temps que vous. Il t'a déjà changé de place pour que tu parlais trop? Oui. Non mais là, on va rien faire. On va en reparler après. Hein. Allez, qui de vous deux cuisine le mieux? C'est ça que vous voulez mettre? Ah oui. Mais c'est qu'Athéna, elle est encore trop petite pour cuisiner, donc c'est pas le mieux. En fait, le plus, en tout cas, c'est forcément Calice. Parce qu'elle est grande, elle a 14 ans, donc forcément, elle cuisine. Ah Athéna, bon, c'est Athéna, c'est encore un peu jeune. Tadam. Mais tu m'aides. Ça, c'est bien. Ensuite, Renardo. Qui de vous deux est la plus jalouse? Wow. Pas évident. Athéna, tranche. Je dirais plus Athéna, mais c'est normal, les petites sœurs, pareil, les petites sœurs et les petits frères,
veulent toujours faire pareil, ou veulent toujours avoir la même chose que le grand frère ou la grande sœur. Je me souviens pas vraiment de la jalousie, c'est pour faire pareil en fait. Ensuite, qui de vous deux est la plus bricoleuse, la plus manuelle? On va t'inspirer là, je... Non plus, je sais pas. Ouais, pareil. Voilà, quand même, elle bricole pas et elles sont pas manuelles, vous avez jamais pensé planter un clou, ni même... Oh, vous faites des ateliers créatifs? Oui, moi aussi. T'en as peut-être fait plus que ta soeur, des ateliers créatifs. Ah bon? Qu'est-ce que tu as fait? Plein de cadeaux pour la fête des mères. Ah, tu sais, quand t'étais petite, t'avais dessiné sur le mur. Mais c'était pas pour une vidéo, là, mais vraiment, ça c'était une bêtise pour le coup. Non, toi tu fais plein de trucs créatifs. Ah, c'était magnifique, bon. Hein. Alors peut-être Athéna, allez, peut-être Athéna qui est... Bon, je vais chercher mon ardoise, moi. La plus... Manuel, mais la plus artistique par contre c'est Calice. Pour l'instant, on enchaîne. Qui de vous deux est la plus belle? Bon, c'est pas facile non plus, hein. C'est moi, bien évidemment. C'est vraiment pas facile, hein, parce que déjà vous n'avez pas un physique facile. Monsieur, oh, c'est une blague. En tout cas, tu peux pas tout miser sur ton physique. On a parlé de physique en physique. Ah bah ça c'est bien. Qui était le plus moche? Imagine. Qui est le plus moche de la classe? Alors moi non. Bon, en tout cas moi je mets la tranche, hein, parce que vous êtes toutes les deux belles. Voilà. Puisque Calice, paraît-il, me ressemble. Donc forcément elle est chevelue. Et paraît-il, Athéna ressemble à sa maman. Du coup elle est chauve. Non, allez, vous êtes toutes les deux belles. Qui de vous deux est la plus sportive? Ou la moins, j'ai mis entre parenthèses. LOL. Moi, je dirais quand même Athéna. T'as dit Athéna? Et toi, t'as dit quoi? Rien? Même pas Athéna? Tranche? Oui. Non, je dirais Athéna parce que quand je lui cours après parce qu'elle fait trop de tablettes, elle me fait courir dans toute la maison. Et on en fait des kilomètres. C'est ça, mais c'est du sport. Mais au niveau sport, plus toi tu fais de l'escalade, toi tu fais de la danse, au niveau sport extrascolaire. Bon bah alors donc, on va non, je pense que c'est Calice parce qu'elle est en trottinette, voilà. Et en même temps, je cours après pour l'écran, donc ah c'est pareil, allez, kiff, égalité. Mais moi mon cartable il est plus lourd, t'arriverais même pas à le porter. C'est parti pour la question suivante, on va pas y arriver. Non. Qui de vous deux, n'est jamais d'accord, non, c'est pas ça. Qui de vous deux râle la plus? Qui râle la plus? Ah mais arrête de faire durer un suspense inexistant. Qui râle la plus? Bon bah si vous voulez. Tic 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 tic. En fait je vais même pas regarder. Cring. Oh mec, Calice. Non mais je pense que c'est quand même Athéna. T'as aimé Athéna? Ouais. Ouais. C'est vrai? Ah t'es d'accord? Ouais. Bon bah voilà, on est d'accord, tous les trois, c'est Athéna qui râle le plus. Oui! 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 Bah donc, on enchaîne. Qui de vous deux est la plus sévère? La plus sévère, est-ce qu'on peut vraiment appliquer cette question? Non! Non! Bon, bah tranche, hein, parce qu'effectivement... Tranche, c'est jeter par terre! On remplace tranche par jeter par terre. Ouais! Ah bah, ouais. Attention! Qui de vous deux et la plus cool, la plus généreuse, la plus tout ça, la plus conciliante, la plus... C'est pas facile ça, hein. Alors c'était incroyable. Calice. C'est incroyable. Calice. Et Calice, ouais, t'es d'accord? Ouais, c'est Calice quand même qui est la plus cool, c'est vraiment plus dès qu'on demande quelque chose, bah t'es là, t'es assez disponible, tu viens tout de suite. Une grosse qualité. Voilà, puis après, bon, c'est vrai qu'elle est plus jeune aussi, donc elle est un petit peu plus dans son monde, hein, c'est normal, c'est logique. Bah non, ça pourrait être l'inverse normalement, du coup, non? Parce que moi j'ai 14 ans. Et alors? Et alors, je suis dans mon monde. Le monde de 14 ans et le monde de 9 ans, c'est deux planètes différentes. En effet. Mais je crois que c'est la planète encore plus éloignée. Ça capte. De vous deux s'est absenté le plus du canapé durant cette vidéo?
Athéna. Bon allez, c'était pas une vraie question. Qui de vous deux... Qui de vous deux dit le plus de gros mots? C'est rigloche, maloche. Pas facile, hein? Vraiment pas facile, dis donc. Non, en fait, bon, c'est hyper facile. Calice, on dit Calice tous les trois. C'est normal parce qu'Athéna en connaît moins. Et donc, elle en dit moins. Forcément, des gros mots. Mais elle dit plus de fois. C'est pas bien les gros mots. La... Démonstration. Quel gros mot tu connais, qu'elle ne connaît pas? Non, c'est une blague. Qui de vous deux est la plus maladroite? Alors là, aucune idée. On réfléchit. Qui de vous deux est la plus maladroite? J'ai pas envie de dire parce que ça va vous influencer. Je ne suis pas un influenceur. Tranche. Tranche. Et toi? Calice. Moi aussi, Calice. Calice est la plus maladroite, on l'a déjà vu plusieurs fois en vidéo. Ok, bah... La dernière fois c'était pour l'assiette d'ailleurs, quand on avait fait un duel foot pop-it. Ah ouais, t'avais cassé l'assiette bleue. On peut peut-être mettre l'extrait, tiens. Hello les babales. Oh ma... Ça c'est beau ça. Ouais, c'est... Bon bah c'est pour le bêtisier, hein. J'en ai plein des exemples comme ça, mais voilà. Mais c'est mignon. Faut juste acheter des assiettes quoi. Qui de vous deux est la plus attentionnée par rapport à sa soeur ou par rapport à... Par rapport à papa, par rapport à maman, par rapport aux copines, peu importe, qui est la plus attentionnée, qui prend le plus soin des autres? D'abord Calice. Allez, voilà. Attention. C'est Calice pour Athéna. C'est tranche. Oui. T'as copié. T'as copié. On a mis tous les trois à la tranche. Je pense que ça se vaut. C'est qui? Oh. C'est qui faut mettre? On ne peut pas m'amadouer. Non, 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 ça ne marche pas. Ah, c'est une copie. Bon, allez, je reste sur la tranche. Attention, qui de vous deux est la plus câlin, la plus bisou? Oh là là, là. Pourquoi nous faire durer un suspense qui n'existe pas? Bah oui, c'est vrai. Bien sûr. Bah, n'empêche que dans cette vidéo, c'est quand même Calice qui m'a fait le plus de bisous. Bon, bien sûr, de manière globale, mais c'est normal aussi, c'est l'âge. Ouh. C'est Athéna qui est la plus câlin, la plus bisous. Qui de vous deux est le meilleur des papas, hein? Ah oui, parce que c'est la même question que... Non, alors qui de vous deux est la meilleure des sœurs? Oh, la question. C'est moi. Calice, Athéna, tronche. Tronche. Non, je mets tronche. Est-ce que on peut rajouter une question? Qui de nous deux est le plus sérieuse? Ah oui, c'est un truc comme ça que je vais poser. Qui de vous deux est la plus sérieuse? Qui de vous deux travaille le mieux? Ou de manière plus sérieuse à l'école? Allez, on peut la poser comme ça, de ce style-là. Et on fait tourner les ardoises. Calice. 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 Et Athéna. Non, Athéna, c'est pas qu'elle travaille pas sérieusement, mais il faut lui dire. Il faut lui dire, allez, on fait les devoirs, et il faut lui dire 10 fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah, et une fois qu'elle s'y met, elle s'y met. Alors que Calice, bah, elle les fait sans qu'on lui dise rien, elle les fait bien, et puis elle travaille bien à l'école. Mais Athéna aussi a une très bonne note à l'école, mais il faut la motiver, hein. Une fois qu'elle est lancée, elle est lancée, c'est un diesel. Bon, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous en connaissez encore un petit peu plus sur Calice et Athéna, puis sur moi-même, allez voir la vidéo de la dernière fois pour savoir qui est de papa ou de maman avec ces questions-là, et vous aurez des surprises. Voilà, allez, on se fait plein de gros bisous, on se retrouve dans quelques jours sur Studio Bubble Tea, et d'ici là, n'oubliez pas, soyez vous, soyez bien, soyez bon, et vivez vos rêves. Allez, va faire tes devoirs. Allez, va faire tes devoirs. Non.
Qu'est-ce que je disais ?